salut à tous ses amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Cette fois-ci, ça va être un podcast sur les félins. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs types de félins. Chapristi ou quoi? C'est comment, là? Il y a le félin roux, domestique. Lui, il est roux et il fait des trucs bizarres. Félin blanc, domestique. Et en fait, quand je dis domestique, c'est je veux dire les chats. Car les chats, ils sont modifiés génétiquement, comme les chiens, pour être dressés au fur et à mesure des générations. Et ça, c'est toc un peu, non? C'est pas un peu toc? Bref, il y a plusieurs chats. Il y a le chat noir, le chat blanc, le chat gris, le chat jaune, et même le chat vert. Et même le chat body ou quoi, bam. Mais dans les félins, il y a aussi le tigre et le lion. Mais le tigre, il est cool parce qu'il est gros et féroce. Il peut te faire du mal, il peut te manger tout cru. Pour ça que Jasmine dans Aladdin ne devrait pas garder un tigre chez elle parce que c'est dangereux. C'est un peu trop tarlouf pour moi, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, moi je trouve que les tigres, c'est cool en vrai, moi j'aime bien. Mais ce que j'aime moins bien, en vrai, ce que j'aime plus, juste, c'est les lions. Parce que les lions, en vrai, on va pas se mentir, c'est trop stylé. C'est pas pour rien que c'est les mecs de la nature, les rois de la nature, tarlouf. Parce qu'ils ont comme une couronne tarlouf de fourrure. Peut-être c'est pour... Ouais, en fait, ouais. Et puis genre, c'est cool, tarlouf, parce que ça représente les rois de la savane. Mais c'est des gros gros félins. T'imagines si les chats étaient toute cette taille-là, bah, comme les lynx, genre, tarlouf. Et tout, bam. Ah oui, et les gars, je voulais vous remercier. Merci, hein. Dans 150 abonnés, on est à 1000 abonnés, les gars. On est à 1850. Et ça, c'est un peu tarlouf, non? C'est... Oui, je pense que ouais. Bah. Alors continuez, les gars. Et ça, c'est torque. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur les canidés. Un podcast sur les canidés bientôt. Et pas les caninonies. Alors ça, c'est torque. Et à bientôt. C'était Rick Assis pour un nouveau podcast. Du.